Thank you.
As usual, I forgot to turn on the microphone. Ah, I gotta remember to do that. Ok, comment ça va tout le monde? Comment ça va? Ça fait plaisir de vous parler. Alors, là vous entendez, c'est bon? C'est bon, c'est bon? Ah, salut Baguette 4. Ouais, bah, ça va. Moi, mon week-end se passe super, je suis un peu fatigué parce que hier soir, je suis allé au bar avec ma femme et une amie de ma femme. On a mangé et bu des bières dans un pub dans mon quartier. Le seul problème, c'est que... comment dire? On est rentré à la maison, il devait être quoi, 10h du soir. Et mes deux chatons, je vous ai montré mes deux chatons la semaine dernière. Un chaton, ça veut dire a kitten. Donc mes deux chatons, ils étaient plein d'énergie. Nous, on était fatigués avec ma femme. On a essayé de jouer avec eux un petit peu. Et on est allé dormir. Le seul problème, c'est que eux, ils ne voulaient absolument pas dormir. Donc on a essayé de les calmer. Et à 2h du matin, on a finalement laissé tomber. Alors, laisser tomber, c'est une expression en français pour dire abandonner. Laisser tomber. Comme ça, je vais le mettre dans le chat. Laisser tomber. To give up. Voilà. Donc, on a laissé tomber et on les a mis dans leur... on a une grande tente, en fait. En anglais, on appelle ça a playpen. On a une grande tente pour les chatons. Donc, à 2h du matin, on a laissé tomber et on les a mis dans la grande tente avec de la nourriture, avec leur lit, avec leur petit cactus. On a un cactus, en fait, un faux cactus où ils peuvent gratter. Donc on a mis ça et d'autres choses comme ça parce que on devait dormir. Donc à 2h30 du matin, on a finalement pu dormir parce qu'ils étaient insupportables. Donc moi aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu me relaxer. Donc allez hop, allez, santé tout le monde. Moi, je vais me relaxer. Santé. Moi aujourd'hui, je bois une Allagash White. Oh! Ah, weird. Attends, j'ai toujours le fond vert. Alors attendez. Fond vert. Il faut que je désactive ça parce que sinon. Ah! Chroma Key. Voilà. Ah, là, c'est mieux, là. Voilà. Santé! Donc voilà, moi, c'est une Allagash White que je bois aujourd'hui. Bon, cool! Alors. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Bah tiens, super Kim, une IPA, parfait. Ah, je suis curieux, qu'est-ce que vous aimez boire tous en bière? Est-ce que vous êtes plus des bières blondes, des bières brunes? Est-ce que vous aimez les bières un peu plus maltées? En anglais, vous dites hoppy, mais en français, on dit maltais. Donc un peu plus maltais comme ça. Oula. Malté comme ça. Tada. Bah ouais, prenez une bière avec moi, on va pratiquer tranquille. Oh merde, pourquoi ça marche pas? Voilà, malté, comme ça. Vous pouvez reconnaître un peu la même origine du mot, hein, malt. Donc c'est l'idée. J'adore la bière blanche. Ah, on est deux. Ouais, j'aime bien la bière blanche aussi. J'aime bien les bières brunes de temps en temps, une Guinness ou quelque chose comme ça, c'est pas mal. Mais généralement, je gravite plus autour des bières blanches, personnellement. Donc voilà. Arthas, je travaille dans un bar et je préfère la bière blonde. Super! Est-ce que tu as une bière blonde préférée? Est-ce que tu as une marque de bière blonde préférée? Moi, en ce moment, j'aime beaucoup une bière qui s'appelle Purple Haze. Voilà, je bois une Allagash White, mais j'ai une autre bière que j'achète souvent. Purple Haze, je crois que c'est une lager. C'est une lager qui a des notes de framboise. La framboise, raspberry. En fait, ils utilisent des framboises à la fin du processus merde, comment je dis ça déjà? Brewing. Ah. Comment je dis to brew in French? Oh putain,
brasserie. Donc voilà, voilà. Dans la fin du processus de brassage, ils mettent des framboises dans la cuve. Donc ça a un très très bon goût de framboise, c'est très frais. Et moi j'en bois tout le temps, j'adore ça. Donc ouais, là je voulais quelque chose d'un peu différent, mais d'habitude je bois beaucoup Purple Haze. J'adore la bière qui s'appelle Camden Hells, c'est très populaire à Londres. Je connais pas, je vais voir si elle existe aux États-Unis parce que ça me tente ça. Camden Hells. Alors attends. Est-ce qu'elle y est aux États-Unis? Yep, I'm over 18, obviously. Attendez. Display capture. Je suis comme ça, je regarde ça avec vous. Alors, Camden Hells. Let's see if I can... Alors, est-ce que je peux l'acheter moi aussi, ou est-ce que c'est juste aux États-Unis? Oui, j'ai 18 ans, bah oui. J'ai plus de 18 ans. Ah, peut-être que je vais pas pouvoir l'avoir ici en France, aux États-Unis à mon avis. On va essayer, mais bon, je ne pense pas. Le site, il est sympa en tout cas. Il est joli le site. Salut! Salut Agent France! Ouais, je ne sais pas si je peux continuer. Yeah, oui, je confirme que j'ai 18 ans. Je bois pas la bière. Ah, Monsieur Mutola. Qu'est-ce que tu bois alors? Est-ce que tu aimes le vin? Ou est-ce que tu bois pas du tout? Qu'est-ce que tu aimes boire? Eh non, ouais, je crois que ça va être un peu... Ah non, c'est que pour l'Angleterre. Bon, bah si je vais à Londres, je l'essaierai. Je l'essaierai celle-là. Moi, j'ai un de mes clients, il fait de la bière aussi. Il a des super bonnes bières. Et je sais aussi qu'il a des très très bons seltzers. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle... alors, sa bière, c'est Ebbs. Je crois qu'il est... voilà, Ebbs Beer. C'est ça. En fait, c'est super cool parce que... sa bière, sa brasserie, elle est dans le stade de baseball de l'équipe des Mets de New York. Donc c'est super cool en fait parce qu'il a sa brasserie directement dans le stade. Et ses bières sont vraiment bien quoi, elles sont super. Là il est un peu en transition en fait, avant il était disponible sur TapRM, mais maintenant il n'est pas disponible sur TapRM. Il vient de changer de partenaire. Donc je crois pas qu'on peut les acheter sur TapRM maintenant. Mais ouais, c'est super. Donc si vous allez à voir un match des Mets, ces bières sont super super bonnes. Et je pensais à toi, Kim et Tass aussi, parce que pour nous, enfin pour lui, il a aussi une compagnie qui s'appelle Fountain. Et Fountain, il vient d'arriver en Angleterre aussi. Et franchement, c'est super bon. Si vous aimez les seltzers avec des goûts de fruits. Mais son truc, c'est que... Tu sais, la majorité des seltzers comme ça, c'est, enfin, des eaux gazeuses qui sont avec de l'alcool, c'est un goût chimique, c'est pas très très bon. Mais lui, c'est super bon parce qu'en fait, il utilise uniquement des arômes naturels. Donc franchement, c'est génial. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme commentaire aussi? Kim, j'aime aussi le vin blanc, surtout le Sauvignon blanc de la Nouvelle-Zélande, mais c'est trop Moorish. Ah, je sais pas ce que ça veut dire Moorish. Attends. Je suis tellement perdu. Je parle trop vite, c'est ça? Je parle trop vite? Alors dites-moi, est-ce que je parle trop vite? Par contre, ouais, je suis d'accord avec toi, j'aime énormément le Sauvignon blanc. J'adore ça. Alors, très très bien. On va aussi mettre Whereby, attendez. Donnez-moi un instant. Ouais, alors aujourd'hui, si vous voulez venir pratiquer avec moi, vous pouvez venir, hein, quand vous voulez. Moorish. It tastes so good, you can't stop. Je connaissais pas. Je prononce ça correctement en anglais, Moorish? Moorish? Ouais, je sais pas. Ok, super. Super, super. Ouais, tu m'apprends un mot, là. Je connaissais pas. Ouais, moi, par contre, c'est vrai. Le Sauvignon blanc, c'est très, très bon. J'aime beaucoup.
J'adore, moi j'adore le Sauvignon blanc avec du comté. Quand tu manges ça avec du comté, c'est super bon. J'adore ça. Donc voilà. En ce moment, je suis un peu plus bien, mais quand je buvais plus de vin, ouais, c'était mon pairage préféré. Ouais, je pense que je l'ai pas entendu aux États-Unis ce mot. J'ai pas entendu parler de ce mot-là. Mais oui, Moorish. Ouais, c'est la première fois que j'entends. Alors, avec quoi le Sauvignon blanc? Avec du comté. Le comté, comme ça. C'est un type de fromage français. Ouais, français ou... Tiens, est-ce que c'est français ou est-ce que c'est suisse? Attends. Le comté. Je ne suis pas sûr, honnêtement. Attends. Je ne suis pas sûr. Le comté. Non, quel con. C'est pas comté avec un N, c'est avec un M. Voilà. Un Franche-Comté, oui, d'accord. Donc c'est en France. C'est juste à côté de la Suisse. Mais c'est pas la Suisse. Pour vous donner un peu une idée. Pour vous donner un peu une idée. Voilà. Le comté. Alors. La Franche-Comté. Voilà, Franche-Comté. Tada! Voilà, Franche-Comté, c'est cette région ici. Bon, ça me donne pas de limite là, mais... ouais, c'est cette raison-là ici, voilà. Cette région-là, juste à côté de Genève. Très, très jolie cette région-là aussi. Monsieur Mutola, j'adore le coca. J'adore le coca aussi. Oui, moi aussi. Évidemment, évidemment. Alors tu sais, c'est très drôle pour moi parce que c'était un gros choc pour moi quand je suis arrivé aux États-Unis parce que tu sais, en France, quand tu bois, quand tu commandes un coca au restaurant, par exemple, si tu commandes un coca au restaurant, si tu commandes du coca au restaurant, tu n'as pas de... Comment dire? En anglais, tu as ce mot refill. Comment je dis ça en français? Ouais, tu n'as pas d'autre verre, quoi. C'est-à-dire, si tu finis ton verre, c'est fini. Donc, moi, aux États-Unis, par exemple, en Arizona, d'où est ma femme, en Arizona, à chaque fois que j'allais au restaurant avec ma femme, c'était tout le temps coca, 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 coca. J'étais pas habitué à avoir un autre verre à chaque fois que je finissais. Donc pour moi, c'était « Oh, c'est génial ça, je peux boire autant de coca que je veux !» Comparé en France où tu dois faire attention à le boire doucement parce que tu veux profiter de ton coca pendant tout le repas, donc c'est un peu différent. Kat, tu bois du coca maintenant? Eh ben génial. Eh ben santé à toi alors. Voilà, santé. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez venir pratiquer avec moi sur Whereby? Si vous voulez, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir, plusieurs personnes, d'accord? C'est ouvert à tout le monde. Et si vous voulez pas, c'est pas grave, hein, c'est pas de pression. Pas de pression non plus. Alors, dites-moi aussi, est-ce que la musique... J'ai mis un petit peu de musique de fond. Est-ce que la musique est trop forte ou ça va? Attendez, je vais voir un peu de mon côté. Si je mets le live ici, je vais couper mon micro pendant une seconde. Ça a l'air pas mal. Je peux peut-être baisser un petit peu. Allez, je vais baisser comme ça, voilà. Bah ouais. Alors dites-moi, à part ça, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Si vous voulez venir pratiquer directement en personne, pas de problème. Vous pouvez venir sur whereby/learnfrenchwithvince.com. C'est vraiment pas de pression, okay? C'est juste pour pratiquer, pour parler un petit peu, pour essayer de pratiquer le français, d'accord? Et c'est ouvert à tous les niveaux, débutants, avancés, c'est pas un problème. Pas de problème du tout.
mon but ici avec ce stream, c'est plutôt de vous donner une plateforme pour pratiquer le français, mais vraiment comme si vous parliez avec des amis au bar ou tranquille, quoi. C'est pas rigide comme une classe, d'accord ? Donc c'est vraiment juste pour pratiquer, c'est tout. Bon. Alors. À part ça... C'est un peu mort dans le chat, là. J'ai toujours du monde ou pas ? Ah, j'ai toujours 10 personnes, c'est bien. Alors. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Moi, évidemment, je fais un stream maintenant, mais... Après, je dois faire la lessive. Moi, je fais la lessive le dimanche. J'ai pas la chance d'avoir la machine pour faire la lessive dans mon appartement. Mais je la fais dans le quartier. Alors, Kim, j'ai rencontré mes potes pour un pique-nique. C'était vraiment bien de parler face à face. Ah, ouais. Ouais. C'est super, ça. Ça me manque aussi de faire des pique-niques dans le parc, tout ça. Nous, c'est... C'est cool parce qu'on voit de plus en plus d'amis, comme beaucoup de gens ici sont vaccinés à New York, moi et ma femme inclus. Mais j'ai pas encore fait de pique-nique. Pour être honnête, la météo était horrible les deux dernières semaines ici, mais bientôt là ça va être l'époque, ça va être le temps pour les pique-niques. Alors Gilles, où se trouvent les chatons en ce moment ? Je crois qu'ils sont en train de dormir. Et je vais vérifier, s'ils dorment pas je vais les prendre, je vais vous les montrer, j'arrive. Et ben il dormait pas, donc voilà mes deux petits chatons. Donc là c'est Earl Grey et là c'est Grey Goose, donc Earl et Goose, voilà. Ils sont adorables, très gentils d'habitude. Ouais, t'es gentil. Bah oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voulez jouer ensemble, c'est ça? D'accord. Yeah, but I can keep you here though. Because you're gonna play with the plan. Alors le problème c'est qu'ils peuvent pas rester dans le bureau avec moi parce que ils jouent avec la plante là qui est de ce côté là. Enfin non, de ce côté. Et elle est toxique. Elle est toxique pour eux. Elle leur donne la diarrhée. Donc comme ils jouent avec la plante. Comme ils jouent avec la plante, je peux pas les garder avec moi. Attends, je vais maman. Voilà. Donc je pense qu'on va se débarrasser de la plante parce que sinon je peux pas les garder avec moi dans le bureau. Et moi j'aime bien les avoir dans le bureau, honnêtement. Mais ils sont très gentils, ils sont adorables. Là c'est un peu l'heure de la sieste pour eux, donc ils jouent pas beaucoup, mais en général ils jouent. Ouais. Alors, tiens, j'ai une question d'un monsieur. Alors, Gilles, d'abord. Ouais, Gilles, vous allez souvent à Central Park. Alors, à Central Park, avec un accent. C'est intéressant parce que les endroits comme ça où tu as un nom comme ça anglais, généralement, pour les noms dans New York, Central Park, par exemple. Ah, je vais utiliser A comme si c'était une ville. Donc, je vais vous allez souvent à Central Park ? Ouais, de temps en temps. De temps en temps, je vais à Central Park et franchement, c'est sympa. Avant, j'y allais beaucoup parce que je devais marcher pour aller d'un client à un autre et c'était... je traversais le parc souvent. Mais là, depuis que je suis à la maison avec le Covid, un peu moins. Parce que j'habite pas proche de Central Park. J'habite dans le nord de Manhattan. Vraiment à la limite entre Manhattan et le Bronx. Donc voilà. Voilà, super. À Central Park, exactement. Alors, j'ai une question. Miss Mutola qui dit, j'ai une question. C'est vrai que les Français mangent des cuisses de grenouille ? Oui. Oui, c'est vrai, absolument.
C'est quelque chose qu'on mange, mais pas tout le temps. C'est plutôt quelque chose de rare. Mais c'est très bon. C'est très très bon. Ça a un peu un goût de entre le poisson et le poulet. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est sympa. C'est sympa. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu sur le... qui est venu sur le whereby. Donc je vais répondre. Alors, je vais mettre en pause une seconde pour changer la caméra. À tout de suite. Et c'est parti, voilà, parfait. Alors parfait Noah, bah génial, ça fait plaisir de t'avoir. comment tu vas? Pour la deuxième fois. Ça va bien, oui, merci. Et toi? Bah ouais, ça va très très bien. Ça va très très bien. Ça va. Alors, juste pour être sûr, tout le monde peut venir. Hein. Si d'autres personnes veulent venir participer aussi, c'est ouvert à tout le monde. Je crois que je peux avoir 100 personnes maximum sur Whereby. Pas qu'on va avoir 100 personnes, mais vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous voulez pratiquer. Cool. Qu'est-ce que tu fais ce week-end, Noah? Ce week-end, je suis allé à la plage. À la plage, oui. Super. Hier soir, j'ai joué un jeu de cartes, ouais, avec mes voisins. Super. Et on a cuisiné un peu. Qu'est-ce qu'on a cuisiné? On a cuisiné du riz et du poulet avec les ananas. Oh, c'était intéressant d'avoir un goût doux avec le poulet. Alors, ça me parle. T'aimes bien ce genre de plat? Ouais. Super. Ouais. C'était pas mon idée, mais. Rappelle-moi où tu habites en ce moment. En Saint-Martin. À Saint-Martin, ouais. Ouais. Ah oh, putain, c'est cool ça. Oui, j'ai une recommandation pour les gens qui veulent pratiquer une deuxième langue. Ouais, vas-y. C'est un bon environnement de jouer un jeu parce qu'il y a des règles, il y a pas beaucoup de choses il y a pas beaucoup de choses de parler, oui, pas beaucoup de choses à dire, oui. donc j'ai un jeu qui s'appelle Cockroach Poker. Ooh. c'est poker de cafard. Et oui, c'est amusant. Et j'ai un petit club des Français. D'accord. Qui aiment ce jeu. Et c'est bon pour moi parce que quand nous parlons de n'importe quoi, ouais, plus en plus, je peux suivre la conversation. Mais bien sûr, je suis un peu largué des fois. j'aime bien ce que tu as utilisé là.
Attends, je vais le mettre dans le chat pour tout le monde. Ce genre de vocabulaire, j'adore. Larguer, très très bien. Ah. Comment tu le traduirais, larguer? Qu'est-ce que tu dirais pour larguer? Just, I guess I'm a little bit lost. Ouais, I'm c'est lost. ça. Ouais. C'est de l'argot. Voilà, larguer. Mais je crois que la traduction directe est dropped, Ouais, c'est largué. ça. C'est ça. Ça, c'est que parce que j'ai largué les cartes, oui. Voilà. C'est logique, oui. Ouais, c'est. Alors, en fait, c'est intéressant parce que tu l'utilises en théorie, larguer. C'est ce que tu utilises pour les montgolfières, hot air balloons. Les montgolfières, quand tu as le lest, tu sais, les sacs de sable, quand on Ouais. largue les sacs de sable, c'est pour gagner de l'altitude. Ah ouais. Donc, c'est ça l'origine du mot larguer, tu lâches le sac de sable. Waouh, Mais maintenant, tu intéressant. l'utilises soit comme pour dire je suis largué, I'm completely lost, I'm completely. Yeah. Je comprends pas. Ou tu peux utiliser aussi ça pour larguer quelqu'un d'autre. Par exemple, en anglais, quand tu as une relation, quand tu as une copine, par exemple, et tu veux dire, voilà, I couldn't do it anymore, I dumped my girlfriend. J'ai largué ma copine. Par exemple. Largué. Ah, Voilà. d'accord. Donc, c'est deux utilisations. Soit tu peux dire, je suis largué, ou j'ai largué quelqu'un. Mais c'est intéressant que tu as parlé de montgolfier parce que j'ai lu il y a quelques semaines le mot montgolfier, je Oui. crois, c'est le nom de mec qui a qui a fabriqué la première montgolfière. Et je crois que tu as raison. Oui. Je crois que tu as raison. C'est les frères Montgolfier, ouais, apparemment. Attends. Ah, c'est les frères. Ouais, apparemment, c'est les frères. Comme Frères Montgolfier. Ouais, c'est ça, comme. the Apparemment. Je savais Wright pas. Brothers. Gabrou de... Ouais, Gabrou. Ouais, c'est ça. Donc en 1700. Wow, c'est très plutôt que j'ai pensé. La même chose. La même chose. 1700. Wow, c'est Ouais. 100 que 100 années avant le premier Le premier vol en avion? avion. Ah, Ouais. c'est fascinant. Fascinant, fascinant. Wow. Ils étaient français, il me semble. Ouais, c'est ça, ils étaient d'Ardèche. Intéressant. Intéressant, intéressant. Après, la technologie est plus simple que. Enfin, c'est plus simple que le. Oui. L'avion, c'est certain, mais bon, c'est toujours Ben, intéressant. oui. Ah, j'ai une petite question de Et quelqu'un dans le chat. Tu peux utiliser où je me suis fait larguer? Oui. Tu peux utiliser ce faire larguer pour to get dumped. Ah, je me suis fait je me suis larguer, fait I got là. dumped. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Exactement. Pardon, je t'ai coupé, Noah. Ouais, non, non. Et aussi, on peut dire, je sais pas exactement, mais on a rompu Oui, tu peux quelque utiliser chose, c'est rompre, ça? c'est. C'est plus neutre, c'est pas de l'argot, c'est juste le vocabulaire classique. Ah, ouais. Voilà. Donc j'ai rompu Mais avec. quand on a séparé, Voilà. on a rompu. Oui. Ouais, exactement. Tu peux utiliser Ouais. aussi rompre comme pour un contrat, par exemple. J'ai rompu le contrat. Ah. Voilà. Et aussi, j'ai lu, j'ai rompu le secret. Ouais. Like, I outed the secret. Oui, c'est ça, C'est j'ai ce rompu le que tu secret. parlais. Ah oui? Ah. Ah bon, bon. C'est logique pour. Tu vois, c'est drôle parce que quand tu l'expliques, quand tu le traduis, c'est pas logique en anglais, mais c'est logique en français. Oui. Et ouais, non, Ouais. c'est intéressant ce genre de vocabulaire. Ouais, Ouais, donc tu disais, tu recommandais un jeu, pardon, avec tes amis, le poker des cafards, c'est ça? oui. J'ai appris quelques mots pour les animaux parce qu'il y a 8 animaux
Hey. Par exemple, le cafard, Ouais. l'araignée et punaise. Ça, c'est un nouveau mot pour moi. D'accord. Ah oui, c'est à l'envers. Rat, mouche, grenouille. Une grenouille, J'ai ouais. du mal à prononcer ce mot. C'est difficile, oui. Grenouille. Chauve-souris, scorpion. Génial. Ouais, Ouais. c'est pas mal ça comme idée de jouer à des jeux de jouer à des jeux en fait quand tu es avec quelqu'un parce que comment dire quand tu fais ça avec les autres tu vois du vocabulaire qui est un peu différent de choses qu'on étudie d'habitude. Bah, j'aime bien cette idée. Moi, je donne toujours ce conseil d'essayer de faire des choses un peu différentes, un peu pour explorer d'autres situations parce que je veux dire les situations bon on va apprendre maintenant à acheter du pain à la Ouais. boulangerie tout le monde le fait ça mais jouer avec des amis comme ça ouais c'est assez rare c'est cool Ouais. c'est bien Et j'avais besoin d'expliquer les règles, donc c'est bon tactique. ouh Mais j'expliquais les règles de ce mot aux États-Unis tout le temps parce que. Oui, et ça me va parce que j'adore jouer les jeux. Donc, T'as un jeu comme ça préféré? oh, oh, oh. Oui, j'aime les grands jeux de société aussi, Ouais. mais ça, c'est parmi les jeux petits et assez simples qu'on peut expliquer au moins d'une. En moins de 10 minutes. Ça, c'est mon préféré, peut-être. Il y a un Ok. autre qui s'appelle The Mind, Ah, que j'aime ça aussi. me dit quelque chose. Ça me dit quelque Mais chose. oui, j'ai rencontré une Française qui a connu The Mind. Mais on ne part pas dans The Mind. Ah, Ça, c'est d'accord. le premier règle. Donc, c'est pas. C'est pas bon pour Pour jouer pratiquer le avec français, les. ouais. Oui. C'est amusant. Ah, moi, je pensais à. Tu m'as rappelé. J'adore jouer, et surtout si t'es un peu bu, j'adore jouer à Cards Against Humanity. Euh, tu Ah as, tu ouais. as une version française aussi. Alors, le nom de la version française, il est super raciste. Ouais. Ça s'appelle. Je vais le mettre dans le chat. Ça s'appelle Blanc Manger Coco. Manger. Blanc Manger Coco. En fait, c'est. C'est un. White eats coconut. Oui. Alors, en fait, c'est pour se moquer, en fait, tu sais, des autochtones, des indigènes africains pour expliquer, en fait. Enfin, bref. Je vais te montrer. Tu vas comprendre tout de suite si je te montre. Si je te montre le nom. Enfin, la boîte pour la boîte pour le En fait, jeu. je ne peux pas te voir. Ah, tu me vois pas? Ah, mais. Non, mais je peux. J'ai un autre angle avec le vidéo de YouTube. Donc, D'accord, il d'accord. marche. Et c'est sûr. Ouais, je disais, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est l'équivalent. Ça, c'est Ah, l'équivalent. non, maintenant, je peux. Ça, c'est l'équivalent. Blanc, manger, coco. Voilà, c'est Le l'équivalent de premier. The Cards Oui, Against Humanity en français. ah, d'accord. Ah, c'est pas la même société Et non, qui a fabriqué. c'est le même concept, mais c'est pas la même chose, en fait. Et si vous voulez Ouais. essayer. Cards Against Humanity en français, ça c'est l'équivalent. Ça c'est l'équivalent, ouais. Oh, c'est sympa après, moi j'aime bien parce que l'humour c'est une grande. Ça fait partie des choses que tu dois apprendre, tu sais. J'avais fait une vidéo récemment où j'expliquais que pour moi, quand j'ai appris l'anglais, c'était une des choses que j'ai dû assimiler, que j'ai dû apprendre. Les blagues américaines ou la pop culture américaine. Par exemple, pour moi, c'était. Je devais regarder The Office pour comprendre toutes les références. Ouais. Par exemple, avec Michael Scott, etc. Tout ça, c'était. C'est absolument primordial si tu veux pouvoir participer à la conversation et faire des blagues aussi.
Ouais. Est-ce que tu as une série américaine préférée comme ça? Maintenant, j'essaie d'éviter les séries américaines Hey, c'est parce bien! que. J'ai commencé à regarder une série. Non, mais pour répondre à ton question, c'est Arrested Development, Oh oui. probablement. Oui. Je l'ai vu, je l'ai regardé quand j'étais petit. Et oui, j'ai C'est adoré. sur ma liste depuis longtemps. Je n'ai pas encore regardé, mais je dois regarder ça. Ouais. Je dois regarder ça. Alors, Oui. j'avais... Et bien sûr, j'aime The Office aussi. Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un d'autre qui voulait Mais. rejoindre le chat. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Venez quand vous voulez, c'est une discussion ouverte. Donc n'hésitez pas à rejoindre, même si on est en train de parler. Steve Holt. J'adore Arrested Steve Holmes. Ah Development. oui. Et ouais. Ok. Ok, Nuknal, à tout de suite. Steve Holt, ça me dit quelque chose. Attends, c'est pas. C'est dans Arrested Development? Steve Holt? Oui, Ah, j'ai du mal à souvenir exactement, mais c'était juste un beau gosse Ah, d'accord. qui toujours dit son propre nom. Stivo. D'accord, je Quand vois. il a réussi dans quelque chose, il dit Stivo. Je vois, je vois, je vois. D'accord, donc c'est une référence à Arrested Development. Ok, ouais, je dois essayer ça. Alors, ensuite, aussi, on a Duncan qui nous a rejoint. Salut, Duncan! Salut, vous pouvez Alors, m'entendre? ouais, on peut t'entendre, super. Parfait, parfait. Bah, bienvenue, ça fait. Je sais pas, je semble que je ne peux pas allumer mon appareil photo. Je Ah, ta caméra fonctionne pas? attends, oui, Oh. enfin. Il marche, mais c'est mon browser qui m'empêche D'accord, ouais, d'utiliser c'est ton navigateur. Ton navigateur navigateur, qui fonctionne exactement. pas, ouais. Je vois, je Mmh, vois. Ouais, il y a un tu peux faire ça sur t'as un bouton en fait quand tu regardes tout en haut avec une petite tu sais une petite roue comme pour settings. Et généralement pour moi si ça fonctionne pas, je dois juste changer de caméra pendant une seconde. Et je reviens à l'autre caméra, ça rafraîchit en fait la liste des caméras disponibles. Bah, c'est bizarre. Mais bon, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. oui, je cherche en ce moment, mais si je ne peux pas le trouver, c'est pas la fin du monde. Ouais. Tu nous parles, c'est ça qui compte, c'est pas un problème. Bah cool. Oui. Et toi alors, Duncan, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ce week-end, alors cette semaine, je passe avec mes parents. On est parti en vacances. Nous sommes au nord de l'Écosse Hey. en ce moment. Et oui, c'est la troisième fois que j'ai quitté Édimbourg, ma ville, depuis le début de la pandémie. Ah, c'est bien, donc tu peux souffler un petit peu. Oui, exactement. Et en plus, c'est un de mes endroits préférés. Donc, t'es d'Écosse? Comment? Tu es d'Écosse? Oui, je suis écossais. Mais tu n'as pas un accent écossais, ton français. Non, pas en français et même en anglais, on dirait que j'ai un accent assez léger. Ah I ouais? mean, when I speak English, it sounds like this. Ouais, Bah oui, presque pas si. d'accent. Presque, presque. Ça. Je sais que tu vas sens comme le personnage des Simpsons. Ah! Ah oui, ah Willy. Ah Oui! Willy, oui. Groundskeeper Willy. Aïe, aïe, Groundskeeper Willy. c'est l'accent qu'il lui donne dans la version française. Moi, j'ai grandi en regardant les Simpsons en français.
Et l'accent qu'il donne à Willy en français, il est stupide. C'est vraiment. C'est une mauvaise impression d'un Écossais en français. C'est vraiment bizarre. Je sais pas si je peux trouver ça. Attends, c'est assez drôle au final. Quel accent a Willy dans la version française? Je sais pas comment expliquer. Ils essayent de donner un accent français. Mais attends. Français. Est-ce que je peux le trouver ça? Ah voilà, j'ai trouvé. Je crois que c'est Votre ça. tuyau. Voilà, je vais vous montrer. C'est assez drôle honnêtement parce que c'est une mauvaise impression, je trouve. Hop, voilà. Et Votre voilà. tuyau. C'est rien que des petits loupiots. J'aimerais mieux m'arroser moi-même. C'est pas une mauvaise idée non plus. Écoutez voir, vous, le sire Pompée Crâne d'œuf, chez moi à Édimbourg, il y a eu une grève de mineurs très dure. Tout ce qu'on demandait, c'était un casque avec une petite loupiote. Et puis un jour, la mine s'est effondrée. Personne n'en est sorti vivant. Personne, même pas Willy. Il a presque un accent écossais, mais en français. C'est ça. Ouais, c'est assez bizarre honnêtement, mais quand tu entends le vrai accent écossais en plus en comparaison, c'est assez bizarre. Oui, c'est ce genre d'accent et tout ça dans les personnages, dans les médias américains et tout ça. Pour Ouais. moi, c'était bizarre d'apprendre que pour les autres, c'est important que le personnage apparaisse écossais. Parce que comme Shrek, par exemple, Oui. Shrek, pour moi, en Amérique du Nord, aux États-Unis, il y a c'est important que Shrek soit écossais. C'est un truc qu'il doit paraître écossais. Mais pour moi, il est juste un mec. Je vois ce que tu veux dire. Je ne me suis pas rendu compte que il était Ouais, qu'il avait un accent différent, quoi. il est censé être écossais pour tout le monde. Parce que pour moi, c'était juste comme il parle comme un homme, comme tout le monde. Oui, c'est ce genre, c'est avec Willy, avec Shrek, Ouais. avec des autres qui, pour moi, sont complètement normales, mais pour les autres, C'est c'est wow. une partie, c'est une part de l'intrigue, presque. Eh oui. Eh oui. Tu sais, ça me rappelle que l'acteur Mike Myers, il avait déjà enregistré les voix pour le film de Shrek, et que c'est lui qui a eu l'idée, en fait, de refaire la voix, et de recommencer avec l'accent écossais. Au départ, c'était Oui. pas du tout le projet, mais il a décidé de refaire tout avec l'accent écossais. Et moi, je trouve que c'est culte maintenant. Pour moi, je ne peux pas imaginer Shrek sans l'accent écossais. Oui. Enfin, après c'est drôle parce que pour moi, Shrek en français, il n'a pas d'accent du tout. Il parle un français normal au final. Il vient de Paris, Ouais, oui. c'est ça. Non, ouais, c'était assez bizarre la première fois que j'ai écouté la version anglaise. Wow, il a un accent écossais, c'est génial. Il est même pas pesard ou quelque chose comme ça. Non. Limite, c'est l'âne, Donkey, Ah oui. qui a un accent plus fort que lui. Parce que Ah oui. le doubleur, la personne qui fait le doublage pour Eddie Murphy en français, il exagère énormément les intonations, etc. Donc c'est... ouais, la voix de l'âne était plus exagérée que la voix de Shrek en français. Qu'est-ce que le français dit pour chez Shrek? Swap. Ah, Tu te souviens? tu as coupé, qu'est-ce que tu as dit? Ah, j'ai demandé en français, c'est quoi le mot pour chez Shrek? Ah, oui, Swamp. le marais, le marais. Ah, le Le marais. marais. Ah, une minute pour moi. Pas de problème.
Ouais, c'est le marais. Donc, get out of my swamp, c'est sort de mon marais en français. C'est ça. Alors, j'ai une question dans le chat. À ton avis, Vincent, quel est l'accent français le plus difficile pour les apprenants de français? Pour les personnes qui apprennent le français, elle dit que moi, je trouve les accents provençaux vraiment difficiles à comprendre. Alors, oui, Kim, c'est vrai que les accents provençaux, ça dépend en fait, parce que pour moi, tu vois, si je te donne l'accent de Marseille, c'est très fort. Si je commence à parler, enfin, je vais essayer d'exagérer un peu, mais si je commence à parler avec l'accent de Marseille, on prononce un peu plus les choses comme ça, et voilà, donc c'est un peu plus différent, tu vois. Mais si tu parles. Ouais, tu as des choses en fait dans les accents provençaux. La difficulté, c'est qu'on utilise des mots qui sont différents. C'est la difficulté numéro un en général, c'est que dans le sud, on utilise beaucoup plus de vocabulaire, des dialectes locaux. Par exemple, moi, avec mes copains à Nice, avec mes amis à Nice, je dis pas comment ça va, par exemple. Quand je vois mes amis à Nice, je fais pas, hey, salut, comment ça va? Non, directement, je fais, oh, alura! Et alura, ça ressemble à ça. Je l'ai peut-être dit dans un stream déjà. Alura, c'est un mot en provençal qui veut dire un peu l'équivalent de WhatsApp. Ça ressemble à de l'italien, allora. Donc, ouais, alura, je dis ça pour remplacer comment ça va. Donc, c'est peut-être ce genre de problème que tu as, Kim, quand tu écoutes du provençal, c'est qu'on utilise en réalité des mots différents. Par contre, moi, je trouve que l'accent le plus difficile à comprendre pour ceux qui apprennent le français, il y en a deux. Le ch'ti, c'est incompréhensible. Et le pour certaines personnes, le québécois. Pas le québécois de Montréal, parce que Montréal, c'est encore assez très... C'est très facile. Mais le québécois, quand tu sors de Montréal, quand tu vas plus dans la campagne autour de Montréal, alors là, c'est difficile. Même pour moi, j'ai du mal à comprendre, tu vois. Et le ch'ti, c'est pareil. Je comprends rien. Si une personne parle vraiment, vraiment ch'ti, et même ayant de la famille ch'ti moi-même, je comprends rien du tout. C'est très compliqué. Mais après, je sais pas. Noah et Duncan, vous avez des accents que vous avez du mal à comprendre en français? C'est pas un accent d'une région ou quelque chose, mais je pense que pour les apprenants, nous entendons souvent qu'on doit écouter, écouter, écouter pour mieux comprendre, mais presque toutes les personnes qui apparaissent dans les médias et dans les podcasts et tout ça, sont les jeunes adultes ou les adultes. Donc moi, je ne peux pas, même si je comprends parfaitement les natifs dans les podcasts, je ne peux pas comprendre, par exemple, les enfants, parce que je n'ai jamais entendu un enfant français dire n'importe quoi. C'est Et logique. le même problème apparaît chez les vieux aussi, que je n'ai jamais entendu. Donc, j'ai du mal à, je pense que j'ai du mal à comprendre les vieux et les vieilles. Parce que en français, je pense l'accent de quelqu'un change un peu. Comme il vieillit. Ouais, c'est vrai. Et, Absolument. mais les enfants aussi, même s'ils parlent une langue plus simple, c'est plus difficile à comprendre juste parce que je ne l'ai jamais entendu. Je suis entièrement Donc, d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord pour avec moi, toi. ce n'est pas un problème régional, mais plutôt des choses qui sont des problèmes parce que parce que je ne les ai pas entendus beaucoup par Ouais. rapport aux adultes où je les ai entendus pendant des centaines d'heures. Donc pour moi, c'est comme ça. Ouais, c'est ça.
Au passage, quand on a mentionné les ch'tis, j'ai mis dans le chat pour tout le monde, Kim mentionnait le film Bienvenue chez les ch'tis, qui est extraordinaire si vous voulez justement un peu rencontrer cet accent ch'ti du nord de la France. Un film très très drôle, et justement ça même les Français ont du mal à comprendre cet accent, donc c'est intéressant culturellement aussi de voir ce film. Mais ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est peut-être aussi dû, Duncan, au fait que les enfants n'ont pas d'inhibition au final où ils ne comprennent pas que quand tu apprends le français, tu n'as pas besoin, enfin tu dois faire attention à t'exprimer clairement, tu dois prononcer un petit peu mieux pour aider les gens à apprendre, tu vois. Et c'est peut-être, oui, le problème, c'est que comme ils ne savent pas que tu es en train d'apprendre, pour eux, c'est ils vont pas. On a une expression en français, ils vont pas prendre des gants. They're not gonna, oui, take gloves. Voilà, ils vont pas prendre des gants. Ils vont pas te rendre la tâche facile pour toi. Oui. C'est ça le problème. Moi, j'ai vécu la même chose en apprenant l'espagnol. Les adultes, c'était super facile, mais les enfants, c'était un calvaire pour moi. Oui. Et toi, Noah, un accent qui est difficile pour toi? Oui, c'est ce que je trouve. Oui, l'accent canadien, c'est difficile pour moi, mais un truc qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a des contextes qui sont plus difficiles à comprendre, mm-hmm, de l'autre contexte. Par exemple, quand une personne est en train d'engueuler, ouais, quelqu'un, c'est difficile à comprendre. Ah ouais, alors ça c'est un bon mot, je vais le mettre dans le chat parce que c'est bien pour les autres ça aussi. Engueuler, comment tu peux dire ça en anglais? Engueuler, to shout out someone, yep, to yell at someone, yep, yeah. Voilà, engueuler quelqu'un avec la connotation to fight, to argue, voilà c'est ça. Oui. Oui. Vas-y, continue. Et, oui, parce qu'il part vite. Souvent. Oui. Et surtout s'il commence à utiliser des insultes aussi, ça c'est. Oui. C'est ça part dans tous les sens. Oui. C'est... Mais un contexte qui est plus facile pour moi, c'est quand une personne demande des questions à une autre personne. Ouais. Parce qu'il y a... Ça, c'est un genre de conversation que je peux suivre. Mm-hmm. Parce qu'il y a une structure évidente. Ouais. Question, réponse. Mais quand des personnes are just kind of going back and forth, ouais. C'est plus... Tu te sens perdu et puis tu regardes, tu dis et en fait tu comprends rien. Ça m'est arrivé aussi, oui. En anglais et en espagnol, ça m'est arrivé aussi. Ah putain, ouais. Ça c'est le pire, ça. Quand tu essaies de participer à la conversation mais que tu comprends pas et que tu essaies d'être sympa, tu essaies de garder le sourire, tout ça, mais dans ta tête, tu es putain, je comprends rien. C'est, ouais. Je suis d'accord avec l'idée qu'il y a des contextes plus difficiles. Ouais. Et pour moi, c'est les conversations entre plusieurs personnes. Pas, je ne pense pas qu'il vienne du fait qu'il y a le langage est plus complexe ou quelque chose comme ça, mais plutôt qu'il n'y a pas, beaucoup de contenu pour ce genre de conversation. Ouais. Par exemple, les podcasts, la moitié des podcasts sont faits par une personne qui est seule et qui parle à leur micro, et l'autre moitié est les entretiens entre deux personnes.
Ouais, c'est Et vrai. c'est très rare de trouver un grand podcast ou un autre genre de contenu où il y a toujours trois, quatre personnes. Dans la vie réelle, c'est très commun, c'est très souvent qu'on trouve ce genre de conversation, mais C'est difficile à avec trouver pour le étudier, c'est contenu pour ça? les apprenants, pour le rendre plus facile, pour la vulgariser un peu, il y a presque jamais plus que deux personnes qui se parlent. Et donc ça rend les conversations entre un groupe beaucoup plus difficile quand on s'y rend. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Alors juste pour t'interrompre une seconde, on a une nouvelle personne dans le groupe. Sur ton pseudo, c'est Yeet Meat, c'est ça? Allô, oui, c'est moi. Parfait, bah bienvenue avec nous. Bonjour, Merci, merci. Yip. Co comment Salut, tu Noah. comment tu veux qu'on t'appelle? Tu m'appelles Shadid, ouais, c'est mon vrai nom. Parfait, bah bienvenue Shadid alors. Cool. Et pour toi alors, Shadid, pour continuer un peu la discussion, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour toi pour apprendre le français, un contexte ou un accent, quelque chose comme ça? Les accents. Ouais, il y a des youtubeurs français. Je sais pas quand origine ils sont, mais quand ils parlent français, il y a des slurs ou des slangs que je comprends pas. Ouais. Un nom que je sais, un youtubeur, c'est Norman. Oui. Il parle très vite, je pense, et... Il est ch'ti. Il est Oui, c'est du vrai, il nord. est ch'ti. Il est du Ouais. nord. Ouais. Et donc, quand il parle français, c'est un peu difficile pour moi de comprendre. Et avec vous, avec toi, c'est pas trop difficile, mais avec Norman, c'est trop difficile pour moi. Je comprends. Mais tu sais, c'est intéressant parce que la différence, je pense aussi entre moi et Norman, par exemple, c'est que moi, comme je parle, comme ma chaîne YouTube, elle est plus pour des personnes comme vous qui apprenez le français. Moi, c'est comme si je prenais mon niveau de français et que, au lieu d'utiliser 100% de tu sais, de la difficulté, je baissais un peu le niveau et peut-être je suis à 70-80%, tu vois. Alors que Norman, lui, sa chaîne YouTube, c'est pour des Français, donc il parle blablabla super rapidement, parce que c'est pas son Ah. objectif, tu vois, de parler, d'aider les gens à apprendre le français. Donc c'est vrai que c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'argot, beaucoup de choses comme ça. Ouais, et Kim, tu as raison. Heureusement, Norman met les sous-titres sur ses vidéos, donc ça aide beaucoup. C'est mon objectif, tu vois, pour moi, sur ma chaîne YouTube, c'est d'aider les gens comme toi, les étudiants comme toi, à justement apprendre les petites choses comme ça qui sont difficiles que des gens comme Norman, comme Cyprien, comme des gens comme ça sur YouTube disent dans les vidéos normales où justement. Ils ne font pas attention aux personnes qui étudient le français. C'est pas l'objectif pour eux. Donc ils utilisent plus de vocabulaire qui est pas, je veux pas dire plus facile, au contraire, qui est plus contemporain, plus normal, tu vois. C'est Oui, intéressant. Pardon, vas-y. Ah non, J'allais dire, c'est intéressant parce que tu m'as rappelé une chose. Ma femme et moi, on a habité en France pendant 1 an et demi en attendant ma green card après m'être marié avec elle. Donc on est retourné en France et elle ne connaissait pas le français, pas du tout. Donc elle a dû apprendre le français très rapidement. Et c'est intéressant parce qu'on pouvait vraiment voir une grande différence quand on allait voir ma famille, par exemple. Quand on allait voir ma famille, les gens de ma famille, quand ils me parlaient à moi, ils parlaient super rapidement, des choses très compliquées ou des choses un peu plus argot, slang, voilà.
ou quand il parlait à ma femme, c'était comme s'il prenait la difficulté. Voilà, et leur phrase devenait très simple, très facile, ce genre de choses. Donc je pense que c'est la difficulté aussi pour des gens comme vous, c'est que quand vous étudiez avec quelqu'un qui vous aide à apprendre le français, et même pour moi c'est la même chose, automatiquement le réflexe c'est on baisse la difficulté un petit peu. Donc moi quand je parle avec des étudiants comme vous, je dois lutter contre ce réflexe de ne pas utiliser de mots intéressants pour vous. Parce que mon réflexe, c'est de rendre des choses faciles. Mais en Oui. réalité, je veux vous aider à apprendre, donc je dois me forcer à ne pas faire ça. Enfin bref. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré personnellement quand je parlais avec des quand j'apprenais l'anglais parce que les personnes quand je parlais pas très très bien anglais, ils n'utilisaient pas beaucoup d'argot, tout ça, etc. Donc maintenant que je parle bien anglais, c'est pas un problème, tu vois. Et aujourd'hui c'est le contraire, ils utilisent des choses plus complexes et moi des fois je suis là, hein, je comprends pas. Mais ouais, c'est complexe comme dynamique. C'est assez difficile à surmonter. To overcome, surmonter. Enfin Oui, bref. c'est toujours un défi de trouver le contenu qui peut poser un défi pour Ouais. toi, mais pas trop trop difficile que tu n'entendes rien. Eh oui, ah, que tu ne comprennes rien. Tu ne comprennes rien, Ouais. ouais. Noah, tu connais le podcast Inner French? Ah oui, je suis en Oui, train de c'est génial, non? ouais, je suis en train de passer Hey! un cours de Inner French, oui. Ah bon. C'est C'est cool, cool ça. pour moi, ce podcast Ah, m'a Inner rendu French. au point où je pouvais comprendre les podcasts destinés aux Français. Ça, c'est cool, Destiné ça. au Les podcasts faits pour les Français. Ah, Ouais, donc ça. tu aimes Inner French plus que les podcasts faits pour les Français. Enfin, j'adore le podcast Inner French et en fait, ça m'attriste un peu que je ne peux pas pour en profiter, je dois augmenter la vitesse à 10 ou 20% maintenant où mon cerveau s'explore un peu en l'écoutant. Mais c'est il y a 10 mois, je devais baisser la vitesse par 10 ou 20% pour le comprendre. Et, donc pour moi, j'ai vu l'intégralité du spectrum Spectre. avec ce podcast. Le Ouais. spectrum, c'est séparé en français, c'est le même mot. Alors, juste un petit détail, c'est pas la fin, c'est pas UM, c'est E, le spectre. Le spectre. Voilà, exactement. Ouais, non, ça c'est Merci. super. Inner French, je recommande à tout le monde. Généralement, je le recommande à tous mes étudiants parce que c'est très 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 bien. Je connais pas ces cours. Est-ce que ces cours sont bien? Je sais qu'ils donnent deux types de classes, je crois, non? Il y a Build a Strong Core et Raconte ton histoire, je crois, pour les étudiants avancés. Est-ce qu'ils sont bien, ces cours? Oui, je trouve ça très efficace. Je prends Raconte ton histoire. Ah, c'est bien ça. Oui, et c'est juste des conversations entre deux personnes, la plupart, c'est entre deux personnes. C'est comme tu as dit, Duncan, c'est un entretien. Ça, c'est Oui. la structure de la conversation. C'est le français très naturel et le truc qui est
Je crois que c'est un bon corps parce que chaque conversation, on réécoutait trois fois. Une première passe, un deuxième Les les sous-titres. mots de vocabulaire et une troisième avec les phrases. D'accord. Donc ça t'aide à Non. analyser. Oui, Ah, oui, oui. intéressant, intéressant. Ouais, ça peut être super ça. Tu sais, ça me passionne ce genre de truc parce que moi, tu sais, je donne des cours. Je suis professeur aussi de français dans mon travail. Je trouve que c'est intéressant de voir des structures un peu différentes comme ça. Autant j'aime beaucoup enseigner des cours de grammaire, des choses comme ça, mais la grammaire de temps en temps, c'est compliqué, voilà, c'est nul. C'est important, mais après, quand tu connais la grammaire, tu dois étudier le vocabulaire et tu dois continuer tout ça. C'est vrai que ça peut être difficile. Ça peut être très difficile. Et Shadid, et toi, est-ce que tu as un podcast ou quelque chose que tu écoutes pour le français? Pour le moment, non, mais je sais que le mois, is that the word for month? Oui. Ouais, le mois dernier, j'ai écouté de la podcast Duolingo français. Très, très bon. Ouais. J'aime ça parce que il y a un francophone qui parle, mais aussi il y a une personne qui dit en anglais qui se passait. Et even if like il y Ah, a des mots que je même ne connais si. pas, ouais, même s'il y a des mots que je ne connais pas, je peux suivre la conversation entre les deux. Ouais, c'est important, c'est important. Moi, tu sais, je pense que c'est ça le problème. La majorité des élèves, la majorité des étudiants, quand ils veulent apprendre une langue, c'est très difficile parce que tu veux comprendre tout. C'est important, tu veux comprendre ce que tu entends, tu veux comprendre ce que tu étudies. Alors que je pense que quand tu es débutant ou intermédiaire, pas avancé, le problème, c'est que c'est plus une question de volume et moins une question de qualité, tu vois. Moi, je recommande par exemple à mes étudiants débutants, même s'ils ne comprennent pas beaucoup le français, mettez la radio en français, mettez les informations en français, écoutez des chansons en français, des choses comme ça. C'est plus une question d'entendre, de vraiment s'habituer au son, s'habituer à l'intonation, à la prononciation. Et avec le temps, plus tu t'immerges dans le français, plus tu entends le français, plus ton cerveau est capable de comprendre. Donc ça vient comme ça. Éventuellement, plus tu étudies, un jour tu te rends compte, hey, je comprends. C'est super. Mais ça vient graduellement, ça vient graduellement, et un jour ton cerveau, il s'habitue. J'aime bien utiliser un exemple qui me fascine. J'adore étudier un petit peu sur l'aspect psychologie, l'aspect cognitif pour l'apprentissage d'une langue. Et il y a une vidéo que je recommande à tout le monde. Je crois que ça s'appelle The Backward Bike or something like that. Backwards Bike. C'est quelqu'un qui a pris un vélo. Et qui a juste changé une chose, si tu tournes à gauche, le vélo tourne à droite, et si tu tournes à droite, le vélo tourne à gauche. Donc ton cerveau, il a beaucoup, beaucoup de mal à s'habituer à ce petit changement. D'accord? Et en fait, il a fait ça pour démontrer comment le cerveau s'adapte quand tu dois apprendre quelque chose de nouveau, qui rentre en conflit avec les choses que tu connais déjà. Donc une langue, c'est exactement la même chose. Une langue, tu as des choses que tu utilises en anglais, par exemple, qui sont très différentes du français. Et donc, en fait, l'idée, c'est que au départ, c'est très frustrant parce que peut-être tu comprends la théorie, comme lui, il le sait que s'il tourne à droite, ça va à gauche, et que s'il tourne à gauche, ça va à droite. Il le sait. Mais la pratique, non, il n'y arrive pas, c'est difficile, c'est frustrant, etc., etc. Et
Il a dit que pour lui, ça a pris 6 mois pour que son cerveau s'adapte pour utiliser un vélo comme ça. Et généralement, il explique que quand tu apprends quelque chose comme ça, ton cerveau, il essaye, il apprend, etc., etc. Et un jour, from a day to another, du jour au lendemain, ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, c'est facile. Donc l'apprentissage d'une langue, c'est la même chose. C'est difficile au départ, c'est frustrant au début, mais avec le temps, ça devient plus facile. Et avec le temps, tu as un moment comme ça où, voilà, c'est comme si tu allumais une lumière et ça devient beaucoup plus facile après ça. Est-ce que c'est la même expérience pour vous ou pas, Duncan, Noan et Shadid? Vous avez vécu ça ou pas? Je dirais oui, je dirais qu'il ne faut que rendre le plus français possible à votre cerveau pour qu'il puisse s'adapter à juste chaque phrase française est un nouveau indice pour le cerveau. Et Et oui. donc ce qu'on a fait il y a 6 mois nous aide maintenant. Absolument. 8 mois, n'importe quand, chaque chose française qu'on a entendue, on a lu, on a dit, ce sont tous des indices pour le cerveau Absolument. et pour construire ce qu'on appelle la compréhension et la production. Entièrement d'accord avec toi. J'aime bien voir le cerveau comme une sorte d'algorithme. Tu donnes des informations à ton cerveau et au départ, quand il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est difficile de comprendre le tableau en entier. Mais au plus tu donnes des informations, au plus ton cerveau dit, ah ben ça veut dire ça, je peux le mettre là, etc. Et Oui. avec le temps, plus ton cerveau entend des choses, plus il est capable de reconnaître, il est capable de s'adapter. Etc. Etc. Donc pour moi, c'est comme ça. Parfait. Chadid, c'est ton expérience ou pas? Pour le dernier an, j'ai actuellement essayé d'écouter beaucoup et beaucoup de français. Et en fait, à la première fois, je comprends rien. C'est très difficile pour moi. Il y a beaucoup, beaucoup de mots que je ne comprends pas. Mais maintenant, je pense que mon niveau est développé. Et actuellement, j'ai aussi regardé en série. C'est très short. Oui, très court. C'est très court. Ouais, c'est très court. J'essaie de remembering the name. Est-ce que c'était sur YouTube ou quelque chose comme ça? C'est sur YouTube, c'est pas un film ou sur Netflix, non, mais c'est comme The Friends, Oh, mais oui. c'est extra French, Voilà, c'est ça. J'ai une étudiante qui utilise ça. C'est très bien aussi ouais. parce que c'est pas très compliqué. Justement, ils parlent très doucement, ils énoncent beaucoup justement pour aider les gens comme les étudiants à comprendre. C'est bien ça. Et je commence pour écouter avec ça et c'est la première fois qu'on je actuellement comprends des mots en français dans la conversation. Génial. Et c'est très bon pour moi. Parfait, parfait. Je vais mettre la chaîne pour tout le monde sur. Je crois que c'est Extra French. Et c'est très amusant aussi. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Sur les stéréotypes américains. Et oui. Attends. Je crois que c'est. Ouais, par exemple, ici, j'ai trouvé une petite playlist. Ouais, c'est très bien ça, ce genre de truc. C'est très très bien. Et Duncan et toi, pardon, Noah et toi, est-ce que t'as le même sentiment? Tu as la même expérience aussi?
À ce moment, j'oublie la première question. C'était plus, est-ce que pour toi, tu as... J'ai perdu le fil de ma pensée aussi. Ouais, c'était à propos de avoir beaucoup de input. Oui, c'est ça, c'est ça. Et après, au fur et à mesure, on il va cliquer Ouais, c'est ça. quelque chose comme ça. C'est ce que... Oui, je continue. Bah, vas-y, pardon. Ok. J'ai jamais ça passe pas, ça m'arrivait pas, ça m'arrivait pas Ouais. que tout d'un coup tous les mots et tout le vocabulaire et toutes les phrases sont je comprends tout d'un coup. Mais ça passe avec certains mots et certaines phrases. Et oui, j'ai appris que on doit, c'est, il va pas, on va pas réussir du jour au lendemain. On Absolument. doit accumuler beaucoup d'expérience et c'est un marathon, pas un sprint. Oui. Et donc, oui, on doit s'amuser en train d'apprendre. Et parce que si c'est amusant pour toi, tu vas avoir la motivation chaque jour. Bien sûr. Et oui, après. Donc, oui, on doit trouver les choses, le contenu qui t'intéresse. Tu dois trouver les contenus qui t'intéressent et C'est absolument. ouais. Et en plus, peut-être c'est c'est sage à trouver le contenu que tu peux comprendre. Je crois qu'on doit trouver le contenu que tu peux pas comprendre totalement, mais des fois, peut-être c'est sage à trouver le contenu que tu peux comprendre totalement. Juste pour avoir la sensation de comprendre, parce que c'est bon pour l'ego. Oui, c'est certain. Par exemple, j'ai commencé une série pour les enfants que mes nièces regardent. En anglais, mais j'ai commencé ça en français, c'est Octonauts. Et je trouve ça très amusant parce que Ouais. je peux comprendre tout. Je peux comprendre tout. Et, mais aussi, c'est un peu éducatif. Et oui, ça, c'est un long speech, mais. Oui, c'est mon discours. Oui, mon discours, mon laïus. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Laïus, je sais pas, c'est un mot que j'ai trouvé. Ça me... Laïus, Laius. Laius. Ça me dit rien. Ah oui? Ah, je connais pas. Peut-être tu as raison, je sais pas, mais... Attends, attends. Je sais pas où je l'ai trouvé, mais. Un laïus. Ah! Ah, interesting. More like a spiel, a pep talk. Spiel. Un baratin, est-ce que c'est un spiel? Ouais, le baratin, c'est un peu différent, en fait, le baratin. C'est plus... C'est plus sales pitch, a claptrap, something like that. Ouais. C'est un petit peu différent. Ah oui. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, le Laïus. Maintenant c'est logique, mais ouais. Ah, c'est cool ça, bravo. C'est du vocabulaire intéressant, ça. Bon, Oui. bah cool. Alors moi je vais devoir partir bientôt. Parce que après c'est le tour de ma femme de faire du stream de son côté.
Mais c'est super, super de passer du temps avec vous tous les dimanches. Donc, Noah, Duncan et Shadid, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Ouais, c'est ouvert à vraiment tout le monde pour pratiquer. Donc, ça fait toujours plaisir de passer du temps avec vous. Merci beaucoup. Allez, bah, je vous Eh souhaite. ouais, merci beaucoup. Merci à vous trois, c'était super. Merci beaucoup, Vincent. Au revoir, à Au bientôt. revoir. À bientôt les trois. Ciao. Alors, laissez-moi revenir sur le truc normal, full screen. Voilà, parfait, parfait. Bon, bah c'est cool, c'était super sympa. Est-ce que vous avez des questions avant que je parte? Est-ce que vous avez quelque chose que je peux faire pour vous aider dans le chat? Ça va? Tout se passe bien? Ouais. Eh ben génial. Génial, génial. Ok. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais mettre un peu de musique de fond et je vais finir sur le truc. Enfin, j'ai une pancarte pour le outro. Donc attendez, je vais remettre un peu de musique. Et je vous souhaite à tous un très très bon après-midi. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou comment ça s'appelle? Par email aussi. Je suis toujours ravi de vous aider tous. Donc voilà. À très très bientôt tout le monde, bon week-end et à dimanche prochain. Donc pour être certain, oui, c'est la même heure. Je pense que cette heure ici là de faire le stream à midi Eastern Standard Time le dimanche, c'est parfait pour moi. Donc je pense que je vais continuer ça. Et je sais que je vous ai promis de faire un film sur Discord ou quelque chose comme ça bientôt. Je vous promets que je trouve un temps très très bientôt. Très certainement le vendredi après-midi, mais je vais peut-être faire un poll ou quelque chose comme ça sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez me donner vos recommandations pour un moment qui serait intéressant pour tout le monde. Bon, et eh ben bonne journée à tous, bon week-end, à plus!